Un invité sur ce plateau, nous recevons Emma Stella Likasa, promotrice de la structure InterL. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes là sur le plateau du Gabon Télévision. Qu'est-ce que justifie ici votre présence? Ben aujourd'hui, je viens simplement présenter la structure InterL. Comme vous disiez, j'en suis la promotrice, mais également la souligner la journée de la femme, la journée nationale de la femme gabonaise, que InterL, nous, on souligne autour du raffia, entre autres choses, comme vous pouvez voir mes différents ornements, si je peux dire. Alors, qu'est-ce qui est prévu au cours de cette journée? Alors, c'est une journée riche en échanges, mais aussi en informations, parce qu'il faut dire que InterL, c'est un regroupement de femmes, et on est vraiment là, on œuvre pour le leadership féminin. On a choisi le raffia, permettez-moi le petit clin d'œil, parce que on veut marquer quand même, on veut souligner la détermination, mais aussi la patience. Vous savez que le raffia est une fibre assez particulière. Alors, c'était pour montrer que les femmes, finalement, à rester toutes seules, chacune dans son coin, c'est pas nécessairement la meilleure des astuces. Alors, on veut se mettre ensemble, d'où le InterL, qui est à la base des femmes chefs d'entreprise, mais qui ne s'adresse pas seulement à des femmes chefs d'entreprise. Donc pour aujourd'hui, là, c'est vraiment du côté du spa Yacine, une journée avec, comme vous voyez, body painting, j'ai le visage coloré, plusieurs exposantes, des femmes gabonaises de façon générale, avec des produits cosmétiques, alimentaires et différentes choses, mais aussi un panel d'échanges et de débats sur différents sujets, notamment la conciliation vie professionnelle-vie personnelle. Alors, c'est une invitation que je viens lancer. Emmener tout le monde, parents, enfants. Il y a un espace pour les enfants. D'accord. C'est l'entrée est gratuite. La journée a commencé depuis 10 h ce matin. Ça bat son plein. Alors, je venais inviter tous et chacun. Alors, merci madame d'être passée sur le plateau du Gabon Télévision. C'est moi qui vous dis Alors. merci.